compte sur vous pour la sécurité. Agent Jacou. Inspecteur, il n'y a plus d'enfants? Il n'y a plus d'enfants dans le cas. Rocky Junior n'est pas ici. Non. Pourtant, l'indic nous a bien certifié qu'il était dans ce véhicule. Ouais. Fini, là. Attends, si quelque chose arrive à mon enfant, Aïcha va m'entendre. Au moins, ça servait à mettre fin à ce honteux trafic d'enfants. Oui. Bon, brigadier, embarque le chauffeur là. Hé, hey, toi là, viens ici. Viens ici. Allez. Embarquez. Allez, bon, allez, Descendez, descendez. Le vélo là n'est pas réglementé. Hein, où sont les phares? Il n'y a pas de feu rouge et puis la couleur n'est pas locale. Et en plus, regardez le pneu là. Hein, c'est même pas équilibré. Ça fait 1000 francs. 1000 francs? Qui êtes-vous? Hey, ne me posez plus cette question là. Hein. Ça veut dire quoi? Moi, je suis le détective Chocho, chargé de la surveillance de la devanture du commissariat. Vous payez ou bien je confisque le vélo? Je n'ai rien. Je viens voir l'agent Oyou. Agent Oyou, il n'est pas là. Et puis c'est pourquoi? J'ai du bon de l'eau pour lui. Ah, excusez-moi, une minute. Bon, voilà. Détaché. Je vais vérifier pour voir si c'est réglementaire aussi. Allez, on se dépêche. Hé, hey, Chocho, tu es bête, non? Gare à toi si tu touches à mon bon de l'eau là. Tu es malade? Regardez-moi ça. Oui. Faut me laisser comme ça. Hein. Tu crois que moi, je suis bête pour me tuer avec ce dolo frélaté là? Moi, j'aime mon foie. Hey, écoute ici, moi, j'ai été vacciné contre la cirrhose de foie. Tu es malade? J'ai commencé à boire depuis mon enfance. Oui, oui. Mbami, moulo, et tu peux voir. Salopard. Je comprends pourquoi tu es comme ça. Je le. Espèce d'inconsciente. Brock, arrête. Ce n'est pas comme ça que tu pourras régler ton problème. Mais cela m'énerve. Aïcha, si tu t'amuses avec mon enfant, je vais te tuer. Ton enfant, hein? C'est maintenant que tu sais que tu as un enfant. Parce qu'il a grandi. Arrêtez-vous deux. Aïcha, dis-nous où se trouve l'enfant, c'est mieux. Je vous l'ai dit et je le répète. Tant que Brock ne m'épouse pas, ou ne s'engage pas clairement à me verser une allocation de 100 000 francs par mois, je ne dirai pas où se trouve l'enfant. Jamais, jamais. Tu n'auras ni l'un ni l'autre. Et je te jure que tu vas me dire où se trouve mon enfant. Dis-moi, mets-moi au fer rouge si tu veux, je ne céderai pas. Allons, Aïcha, sois raisonnable. On n'oblige pas un homme à se marier en faisant disparaître son enfant. Non, faut la laisser. Inspectrice, c'est le seul remède contre ce gars-là. Il m'a trop fait baver. Ça suffit maintenant. Trop, c'est trop, là. Excusez-moi, inspecteur. Oui? Le commissaire vous demande dans son bureau. Merci, Poupette. On arrive. Tu n'as pas dit que tu es dur. Moi, je suis plus dur que toi. Je reviens. Irresponsable. Le commissaire. Oui, bonjour, les gars. Asseyez-vous.
Alors, quels sont les premiers indices de l'enquête? Mon commissaire, rien pour le moment. Ah bon? Oui, mais on va cuisiner le chauffeur et le convoyeur. Ils finiront par céder. Quelle idée! Et dire que de nos jours, il y a des gens qui s'adonnent à de telles pratiques. Mon commissaire, la recherche du pain facile conduit à tout aujourd'hui. Hélas. Bon, moi je m'engage en tout cas à les châtier sévèrement. En attendant, au boulot. Hey. À propos, Rock, ton enfant. Mon commissaire, jusqu'à présent, Aïcha ne veut pas me dire où se trouve mon enfant. Mon commissaire, Rock est victime de chantage de mariage ou d'allocation familiale. Mais si ce n'est que ça. Rock, tu peux prendre ta responsabilité. Non, mon commissaire, je suis désolé. Je ne vais pas céder à ce chantage-là. Commissaire? Ouais. Bon, ok. Hey, attendez, je l'ai oublié. Voilà. Bon, ça, ce sont des cartes téléphoniques. Des phone cash. C'est votre dotation de la semaine. Allez. Mon commissaire? Merci. Allez au boulot. Dégalata. Kilalalalalala. Qui c'est kilalala? Hé hé hé! Agent Oyu! Hé hé hé! Je t'ai apporté du bon café chaud pour que tu dilues ton dolor. Quoi. Quitte là-bas! Je veux pas ton café là. Le bon dolor de Timpoku me suffit! Tu as compris? Oyu, est-ce que c'est bon? Laisse-moi goûter un peu pour voir si c'est délicieux. Quoi. Ah là 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 là! C'est bon! Et même une goutte là, tu n'auras pas. Et c'est dit. Ouais, ouais. Voilà. Je te rappelle qu'il est interdit de boire pendant les heures de service. Et surtout même sur le lieu de service. Devant la guérite, il est formellement interdit de boire. Et toi là-haut, quand je partais pour faire le concours de la police, tu étais là-bas. Hein? Ouais, ouais. Toi, un concours. Tout le monde est au courant. Enculé, dégage! Tout le monde sait que c'est par pitié qu'on t'a pris dans la police. Tu es là, tu fais ton mal. Il ne faut pas gâter le nom des policiers. Oui, oui. Et en attendant, tu déranges ma douce beuverie. Kouloubate, je rappelle la leke, tikikile la la. Maintenant, je suis convaincu que tu es vraiment un Kilimoukouik. Fils de Kilimoukouik. Arrière petit fils de Kilimoukouik. Je vous promets des circonstances atténuantes si vous acceptez de me dire qui est derrière tout ça. Et vous là, c'est pas vous que les spectrices parlent? Répondez ou bien vous allez avoir ma matraque sur vos têtes. Ah bon, hein? Vous ne voulez pas parler? Ici, au commissariat, tant pis. Nous avons l'habitude de faire parler même les muets. Ah bon, hein? Inspectrice. Oui. Ok, brigadier, tu peux y aller. Ah ouais. Vous allez parler ici. Et toi là? Lève-toi. Je vais te déshabiller. À poil. Tu vas aller au café me chercher du pain. Moi, à poil, sorti d'ici, hein? Jamais. Plutôt mourir. Ah bon? Alors, tu es déshabillé. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chez nous, c'est le peuple. On ne déshabille pas un homme en public, surtout devant une femme. C'est la plus grande honte. Ah ouais. Alors, je vais te mettre la plus grande honte de ta vie si tu ne parles pas. Ne faites pas ça. Je vais parler. Tu vas parler? Alors, imbécile là. Allez, allez, approche-toi là. Et tu regardes l'inspectrice. Mais Chocho, je t'ai déjà dit que tu n'es pas un policier, donc c'est pas la peine de te mettre au garde-à-vous toi aussi. Hé, hey, poupette, chez moi ça va. Il y a des policiers qui n'ont plus le droit de faire garde-à-vous. Hé, hey, viens voir Oyu. Au nom de Dieu, là, quoi, ma fleur de lys des îles Kerguelen. Il est en train de salir l'honneur de la police. Il ose te faire la cour. Attends, mais comment ça? Au nom de Dieu, tous les cabarets se sont déportés devant le commissariat. Hein? Il a même transféré un dolodrome dans sa guérite. Ailleurs, ailleurs, maman. Oui, oui. Hé, hey, c'est un défilé de mouches. Ailleurs. Il ne manque que la fanfare. C'est plus fort même que la fête nationale. Ailleurs, ailleurs, maman. Oui. Chocho, merci beaucoup. Je termine un dossier et je viens voir ça. D'accord, dépêche-toi. Hein. Ces choses-là, ça finit vite. Moi, ta main. Okay. Moi, ta main. C'est quoi? Oh, arrête ça. Laisse-moi, tu es fou, non? Oh, laisse-moi. C'est quoi? Tu es malade. Bonjour, maman. Il faut parler à votre fille. Ça ne veut pas terminer le reste de ta vie en prison. Je m'en fous. Je n'ai pas peur. Je suis d'accord avec ma fille. Pendant tout le temps où je m'occupais de l'enfant, tu étais où? Ah bon? C'est comme ça que vous parlez?
D'accord, tu dis que moi je vais trouver mon enfant. Rock, tu n'as pas honte? Comment oses-tu entrer dans la maison de ta belle-mère sans son avis? Laisse-le, ma fille. Dans l'état où il est capable de tout. Maman, c'est honteux de se comporter comme ça pour un inspecteur de police. Rocky Junior n'est pas ici. Pour la dernière fois, où est-ce que vous avez mis mon enfant? Je ne sais pas où il est, mais même si je le savais, je ne le te dirais pas. Toi, chef, tu me connais? Oui, tu me connais. C'est ça, vas-y, je m'en fous. J'en ai marre. Je connais ça. Vraiment, ça, c'est que ça, ou du brochet. De ça, ça passe là. De ça, les gens, blablabla. Calme! Soso, tu es bête, non? Pourquoi tu fais garde à vous? Non, mon bulldozer, non, pardon, ma blessure sucrée. À votre disposition. Agent Oyou, ton comportement est inqualifiable. Mais tu pues l'alcool? Mais c'est pas vrai. Mon lotus sacré. Même le cabaret s'est déporté dans la guérite. Ah non, agent Oyou, mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc comme ça, c'est la guérite qui est devenue un cabaret, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais rendre compte au commissaire. Mais, non, mon bildo, ma blessure sucrée, c'est pour des funérailles au village. Des funérailles? Il n'y a pas de problème. Tu iras t'expliquer chez le commissaire. Yéro! Non, non, tiens. Voilà. Oh, on te parle là. Et qu'est-ce que vous voulez de lui? C'est toi ou quoi? Réponds vite là. Si c'est bon, c'est moi. Mais si c'est pas bon là, c'est pas moi. Hey, toi là, nous sommes pas venus ici pour plaisanter, hein. Tu as compris? Allez, embarque-le. Allez, allez, avance. Oh, c'est bon, c'est pas bon. Allez, avance. Laisse. Inspecteur, c'est ici. Chouchou, tu es sûr que ça va marcher? Sûr et certain. La dame là, elle voit dans l'eau. Tout ce que vous devez payer, c'est seulement ce qu'elle demande pour... C'est bon, allons-y. Rassure-toi, mon fils. Avec ce que je viens de faire, tu retrouveras ton enfant. Ah, merci. Mais où? Tu le retrouveras à la maison. Il viendra de lui-même. Ah, merci. Je vais vous donner ce que vous avez demandé pour le travail. Voilà. Bon. On va demander la route. Voilà. Au revoir. Merci, mes enfants. Bonne journée. Au revoir, merci. Commissaire. Oui, Aïda. Le maître coranique a avoué. Voici les coordonnées de celui qui est au-dessus de ce honteux trafic. Aïda. Oui. Tu es sûr que c'est lui le patron du réseau? Affirmatif, commissaire. C'est le maître coranique qui l'a dénoncé. Alors là, si c'est vraiment lui le patron du réseau, il va falloir arrêter l'enquête tout de suite. Quoi? Ah, c'est pas possible. On doit l'arrêter. L'arrêter? Tu sais qui c'est? Bien sûr, commissaire, qui ne le connaît pas. Et tu veux que moi, je signe son arrestation? Commissaire, nul n'est au-dessus de la loi. Mais ça, c'est de la théorie.
Écoute, jamais je ne signerai cet acte. À deux pas de ma retraite, je ne veux pas de problème. C'est entendu? Tu peux disposer. Commissaire. Brigadier, je t'ai vu. Ne fais pas semblant de lire les journaux. Mais comme je ne faisais rien là, moi aussi... Laisse ça. J'ai une grande mission à te confier. Moi? Une grande mission? Oui, toi. Approche. Je suis l'inspectrice. C'est à cause de cet imbécile de ce jour que j'ai eu ce problème. Attends. J'ai fini ma corvée là et je me coupe de lui. Repos. Hey, hey, hey! Jean-Yu! Chouchou, oui. Tu salis la cour. C'est saisi? Dégage! Je ne sors pas. Je salis la cour. Comment ça? Ta présence est nuisible. J'ai un microbe dangereux. C'est saisi, non? Imbécile, là. Hey, hey. Mon type, moi, je ne parle pas aux aigris. Tu vois, les mendiants reconvertis en policiers, là. Je m'en fous. Moi, je vais apporter un bon sandwich à ma chérie. Pour... Non, non, passe plutôt à ta corvée. Tu vas vider le côté. Mon fils ne viendra jamais. Il faut que je me décide. Que je me décide. Que je me décide. Allô, Aïcha. Bon, j'ai pris ma décision. Je te verse l'allocation familiale que tu m'as demandé là. On se retrouve au commissariat pour les formalités pratiques, quoi. Désolé, Rock. J'ai changé d'avis. Je veux le mariage et rien d'autre. C'est à prendre ou à laisser, si tu veux revoir ton fils. Aïcha, ne joue pas chez Gilles avec moi. Je ne joue pas, j'attends ta réponse. Biba, est-ce que tous les enfants sont là? Oui, sauf quatre, on ne sait pas où ils sont passés. Mais ça va, c'est suffisant, on peut y aller. C'est pourquoi? Peut-on savoir où tu les amènes? Oh là là là. Biba, qu'est-ce que je t'ai dit au téléphone? Je t'ai dit que c'est une mission secrète, c'est secret, compris? Avec ces histoires de trafic d'enfants, j'ai peur. Hey Biba, fais attention à tes questions idiotes là. Sinon, tu as goûté à ma matraque. Excuse-moi. Falignalo. Attention là. Bon, les enfants là, je me change et puis on y va. Bonjour. Est-ce que je peux voir votre patron, s'il vous plaît? Vous avez rendez-vous, il ne soit pas sans rendez-vous. Non, mais c'est pour mes enfants, quoi. Ah, vos enfants? Attendez, je vais voir s'il peut vous recevoir. Rentrez, il va vous recevoir. D'accord. Venez. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu vous voir, quoi. Vous savez, la vie, tout est cher. Mm-hmm. Et moi, j'ai beaucoup d'enfants. Ouais. Je suis venu voir si vous pouvez m'aider. Vous aider? Oui. Moi, je ne peux pas rentrer dans ça. D'abord, qui êtes-vous? Moi, je viens du village, quoi. Ouais. C'est parce que j'avais causé Kalamoro Bala qui m'a dit que je pouvais passer pour vous voir. Ah bon, vous connaissez Kalamoro Bala? Oui, c'est ton frère, oui. Dans ces conditions, je peux faire quelque chose pour vous. Ah. Oui, mais il vous a dit mes conditions? Non, ce n'est pas un problème. L'essentiel est que les enfants réussissent. Ah, si c'est ça, ne vous inquiétez pas. J'y ferai d'eux, des docteurs, des pilotes d'avion et des grands footballeurs dans des grands clubs en Europe. Hein? Oui. Dieu merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Tenez ça. Et moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Reste ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, monsieur!
Laisse tranquille là. Tais-toi. Oh, comme ça, rien. Tranquille. C'est comme ça que tu opères? C'est comme ça? Non, espèce de trafic. Allez, avance. On va s'entendre. Avance. Allez. Avance. Avance. Il n'y a pas s'entendre. Waouh, madame, vous êtes très belle dans votre robe. Oh, merci. Pas cette tête dans tes mains là. Tu verras. Quand tu prendras goût à cette vie de mariée-là, tu seras un homme heureux et tu t'épanouiras avec tes enfants à tes côtés. Rock, où est-ce que tu vas? Oui, entrez. C'est bien ici que ce réussite a été établi. Monsieur, calmez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Je veux des explications. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Tu es forte. Amener ce grand roc à la mairie. Tu sais, ma chérie, je suis trop fière de toi. Ma copine, qu'est-ce que tu crois? Moi, on ne me presse pas comme une orange et me jeter après, hein? J'espère que tu vas te ranger définitivement. Est-ce que tu sais que c'est toi que je vais amener devant le maire? Quoi? Tu n'as pas honte? Le jour de ton mariage. Toi, là, tu es vraiment dingue. Oh, Junior. Papa, papa. La colonie était intéressante. Ah bon? On a vu les caïmans sacrés de Sabou et les cascades de Banfora. Oh, fiston, tu viens de me sauver la vie. On va fêter ça. D'accord. Bon, viens, on va fêter ça. On retrouve. Brac, brac, brac. Qu'est-ce que c'est pas? Aïcha. On secoue, aidez-moi. Chouchou, descends bien. Et plus vite que ça, là. Plus vite là! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu le punis? Lui là, il m'a amené sur une fausse jetée de courrier là, qui m'a escroqué. Elle en celui là-bas. Sacré chouchou. Mon roc, je demande pardon pour lui. Ne te mêle pas de ça. Plus vite, plus vite! Au fait, le commissaire a besoin de toi. Ok. Tu as eu la chance. Mais si tu recommences encore, tu auras de mes nouvelles. Merci. En fait, c'était pour vous aider. Allez, file! Merci. Aïcha. Oui. La personne humaine, là, elle est comme une maison où on entre par la seule et unique porte du cœur. Aucun mariage solide ne peut être bâti sur le mensonge et le chantage. Hein? Inspecteur Rock, même si tu n'aimes pas Aïcha, occupe-toi correctement de tes enfants. Je ne t'oblige pas à te marier à Aïcha, mais sache qu'il y a un temps pour chaque chose. Hein? Tu peux disposer, ma fille, mais attention, plus de chantage, car c'est un acte puni par la loi. Hein? Merci, mon commissaire. Ciao. Inspecteur Rock, fais venir les trafiquants d'enfants ainsi que les autres. Ok. Allez, vous allez amener les. Allez, avancez là. Espèce de trafiquant d'enfants. Allez. Messieurs, vendre des enfants, mais c'est ignoble. L'argent n'a pas d'odeur, comme on le dit. Mais l'argent sale finit par éclabousser son propriétaire. Et ça, vous irez méditer ces paroles en prison. Et je souhaite que la justice soit sévère envers vous. Mm-hmm. Oui, chef, on ne peut pas négocier. On ne négocie pas, c'est la justice qui décidera. Oh. Alors les gars, vous venez de faire encore un excellent travail. Continuez ainsi, vous êtes bons. Gardez le cap, hein? Dégagez. Mon commissaire, enferme-moi ces trafiquants d'enfants en attendant leur transfert au parquet. Au commissariat, tant pis. Les faux marabouts et les faux patrons sont démasqués et emprisonnés. Allez, au trou!